On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles après la pause déjeuner ici pour cette troisième journée de l'édition 2023 de la foire de Brignoles. Et on va parler d'une spécialité très typique du terroir provençal, terroir de l'agglomération Provence Verte, c'est la prune de Brignoles avec vous. Marc Richard, vous êtes passionné de cet arbre, de ce fruit, avec une association de, à la fois de promotion, de sauvegarde et de développement, parce que vous menez beaucoup de projets autour de la prune de Brignoles. Expliquez-nous un peu, on s'est vu l'année dernière sur la foire de Brignoles 2022, expliquez-nous un petit peu l'actualité de l'association et ce que vous avez pu mener comme chantier, comme projet depuis un an. Ce qu'on a pu mener comme projet, c'est avec l'aide du Conservatoire Méditerranée Partagé, nous avons pu avoir des tests au centre d'Avignon, pour le traitement des produits alimentaires, pour voir avec les prunes ce qu'on pouvait en faire, si on pouvait faire plus intéressant du coulis, de la purée, du congelé. Donc on a donné 150 kilos à Avignon. Ils nous ont ramené les expériences et on tendrait vers une mise en purée pour pouvoir distribuer, pour pouvoir travailler après. Ça, c'est une première étape. Avec le CMP, on a eu des fonds pour faire du génotypage. Ah, il est là, Christian. Le génotypage des pruniers et perdigones qu'on a un peu de partout en Provence. Il s'est avéré que la prune de Brignoles a vraiment un génotype bien spécifique, bien identifié comme étant un prunier particulier par rapport aux autres perdigones qui sont un peu étalés de Castellane à Digne, Manosque, tout ça. Voilà, ça, c'est les deux trucs. Et après, on est dans un projet de microfilière pour pouvoir, effectivement, une fois qu'on aura des fruits, aujourd'hui, on est à peu près à 1200 pieds de vendus, de plantés. Les premiers commencent, ça fait 10 ans, les premiers commencent à fleur, donc on risque d'avoir une production. Dans les bonnes années, s'il n'y a pas de gel, s'il n'y a pas de trucs, on arrive à ramasser plus de 500 kilos. J'espère qu'avec cette année, pour le moment, ça a l'air d'être tenu. Disons, les fleurs ont tenu. Si la météo est bonne et favorable, on risque d'avoir 300, 400, 500 kilos. Donc là, il faut qu'on arrive à trouver des lieux de transformation. Et justement, on a un lieu qui s'est prête avec nous. C'est le lycée agricole de Saint-Maximin qui va nous aider avec sa ferme, disons, son atelier de transformation, à transformer toutes les prunes. Alors, vous faites mon métier à ma place, c'est parfait, c'est génial. On va accueillir tout de suite, vous ménagez le suspense, on va accueillir Monsieur Breyer du lycée, justement, du lycée agricole de la Provence Verte à Saint-Maximin, parce qu'en préparant cette intervention, vous m'avez dit que vous travailliez justement avec lui en lien avec les étudiants qui sont dans le lycée. Comment s'est établie la passerelle entre vos deux structures? Oui, effectivement, pour répondre, donc déjà bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis le directeur d'un lycée agricole donc sur Saint-Maximin. Et dans le cadre de cette structure, effectivement, on essaye de préparer l'avenir. Vous savez qu'il y a le réchauffement climatique, il y a une transition alimentaire, il y a énormément de modifications sur nos modes de vie qui ne cessent de se développer. Et c'est vrai que la notion de patrimoine alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Quand on parle de patrimoine, ce sont des vieilles essences ou des vieilles variétés qu'on remet au goût du jour. Et c'est vrai que la prune de Brignoles est vraiment le produit d'excellence hein, sur la Provence Verte. C'est un produit qui a vraiment une histoire, qui est peu consommé aujourd'hui parce que peu produit. Et que demain, ça pourrait être intéressant pour des jeunes étudiants en agriculture de s'installer peut-être en viticulture, mais aussi en fabrication de prunes. Pour pouvoir la transformer. Il y a des produits exceptionnels, hein, tels que la pistole, tels que la confiture, tels que la pâte de fruits. Et c'est vrai que pour nos jeunes lycéens qui sortent avec un bac pro agricole, dont certains essayent d'imaginer l'agriculture de demain, ça pourrait être vraiment intéressant sur des micro-filières à haute valeur ajoutée. On parle de produits agricoles parfois à basse valeur ajoutée. Là, on est sur des produits exceptionnels de haute valeur ajoutée pour permettre de générer non seulement des revenus agricoles, parce que c'est important de payer nos paysans
à leur juste valeur, à leur juste travail, mais aussi de proposer à une population des produits patrimoniaux qui ont été consommés à une époque, transformés, et qui aujourd'hui pourraient tout à fait, dans nos saveurs, nos goûts, nos parfums, avoir une gamme vraiment intéressante pour l'alimentation humaine. Voilà, et quand on parle de local, ce serait des jeunes gens du territoire, formés sur le territoire, qui travailleraient à développer une espèce qui a été abandonnée et qui a fait la richesse du territoire et qui demain pourrait à nouveau être au milieu d'une filière. Voilà, c'est vrai que l'arboriculture, les fruits, de façon générale, en Provence verte et le Centre Var, ont été abandonnés. Hein. Il n'y a plus de producteurs de pommes, de poires, de pêches, d'abricots. Tout a été, arraché au profit d'une viticulture qui effectivement tire l'agriculture vers le haut, mais qui a aussi ses méfaits par voie de conséquence, et notamment sur la diversification agricole. Je crois qu'on se plaint tous aujourd'hui, qu'on soit dans nos institutions publiques, privées, toutes les problématiques de diversification agricole. Et c'est vrai que la viticulture, qui est un fer de lance agricole, génère beaucoup de revenus. Mais il y a aussi la problématique de la monoculture. Et donc, demain, manger, ça s'appelle la souveraineté alimentaire. Il y a toute une réflexion sur notamment un projet alimentaire territorial de l'agglomération Provence Verte qui a bien montré que nous étions un territoire agricole très, très fort, très reconnu, mais qu'on avait aussi un petit défaut, c'est qu'en termes de diversification, on avait beaucoup de marge de progrès à faire. Et c'est vrai que le patrimoine alimentaire rentre tout à fait dans cette mécanique-là. Alors Marc, Richard, comment vous y prenez? Vous mouillez le maillot, vous allez les voir, ces étudiants, ces jeunes, pour leur vendre la prune de Brignoles? Déjà, on participe à certaines réunions, certaines informations. Ils sont déjà venus chercher des drageons qu'ils ont plantés. Et cette année, on est allé voir les drageons plantés. Ils sont déjà bien beaux, ils ont bien été taillé, bien arrangé, pour montrer l'intérêt de notre territoire et de voir que le prunier, ben, ça se cultive comme les autres et qu'il y a une ressource derrière. C'est vrai qu'on a des réunions en commun et là, on essaye de... Je ne sais pas s'il faut en parler comme ça, de monter un club des prunes brignoles avec les élèves, les parents, les professeurs, de manière à ce qu'il y ait une passation d'informations. Les cheveux blancs qui poussent, me poussent vers une sortie, mais que je souhaiterais passer l'information, toute la connaissance que l'on a sur ce prunier-là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des relations et des réunions avec le lycée, avec les collèges, avec les collégiens et les lycéens, de manière à pouvoir les inciter et les amener à se rendre compte que sur Brignoles, on a vraiment des produits intéressants à remettre en culture. Vous avez ce lien, alors là, la prune de Brignoles, c'est un peu particulier, c'est vrai, mais vous avez ce lien aussi avec d'autres producteurs, d'autres qui viennent tester peut-être certaines expérimentations avec la complicité de vos élèves, ça arrive Oui, on travaille beaucoup sur le patrimoine de façon générale. Il y a le coin de Cotignac, le fameux coin... qui n'est pas un coin américain, c'est-à-dire un gros coin qui n'a pas de saveur. Là, on a un produit exceptionnel qui est effectivement le coin de Provence, le coin qui sur Cotignac est aujourd'hui cultivé. Il y a un certain nombre de spécimens sur lesquels on voudrait effectivement travailler davantage avec nos élèves. Il y a la prune de Brignoles, il y a le pois chiche de Rougier, il y a la châtaigne de Camps. Vous voyez, on a des villages là qui sont cités à chaque fois. Ce qui prouve que la diversité agricole, elle ne passe pas par les grandes semences ou les grandes variétés qu'on connaît bien et qui ont été, on va dire, fabriquées pour le processus industriel. Là, on est vraiment dans un processus artisanal de micro-niches avec l'idée de développer les saveurs et les goûts sur du patrimoine dont on a vraiment perdu pour certaines essences. Même des éléments précieux, puisqu'effectivement les anciens partent, mais ils partent avec leurs secrets. Et la transmission orale dans notre génération, elle n'est pas évidente. Les grands-parents parlent de moins en moins à leurs petits-enfants de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. La génération Internet est passée par là. Et c'est vrai que ce décrochage générationnel sur la transmission orale fait que sur du patrimoine alimentaire ou sur des façons de vivre à un moment donné, eh bien, tout disparaît avec la mort de ces personnes qui portent dans
j'irais dans leur mémoire des secrets qui seront probablement oubliés éternellement. Donc je pense que c'est tout ça qu'on essaie de développer. C'est vrai que la Provence verte est très riche de son histoire alimentaire. Et l'objectif, c'est vraiment de provoquer ces rencontres entre des anciens et des plus jeunes. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler auprès de jeunes de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Certains se prédestinent vraiment à des métiers de paysans. Ils ont ça dans le sang. C'est ce qu'ils vont faire plus tard. Et ils sont prêts à relever le défi. Et puis, de l'autre côté, il faut leur proposer des possibles, on va dire, pour permettre des créations de filières, et notamment, on pense bien sûr à la prune de Brignoles. Alors, comment elle se porte, la formation agricole au sein de lycée de la Provence verte? Est-ce que ces métiers séduisent? Est-ce que vous avez du mal à recruter sur certaines filières, certaines spécialités? Alors, on recrute très, très bien. Vous savez, les lycées agricoles étaient un peu dénigrés il y a 20 ans. Si tu ne sais pas quoi faire, tu deviendras agriculteur, hein, quelque chose comme ça, ou paysan, c'était encore pire. Et c'est vrai que ce métier dans la boue, le fumier, les tracteurs, enfin tous ces clichés agricoles, avec notamment l'agriculture bashing, là, qui parfois dévalorise tout ce métier qui est un métier complexe parce qu'on est au contact du vivant et que le vivant, par nature, il n'est pas normé. Fait qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui ne sont pas forcément des fils de paysans, des fils d'agriculteurs, sont vraiment une génération, on va dire, urbaine, qui s'interroge sur l'environnement, la nature, qui veulent sortir un peu du numérique, je pense aussi, et qui se prédestinent à des métiers plutôt manuels. Quand je dis manuel, ça ne veut pas dire forcément désengagé d'intellectuel, d'autant plus que la technologie arrive maintenant en grande force en agriculture. Les robots en viticulture, c'est quasiment fait. Rendez-vous compte, la semaine prochaine ou dans 15 jours, on va recevoir 4 exosquelettes pour permettre d'éviter les troubles musculo-squelettiques, là, les fameux TMS, c'est-à-dire le mal de dos, les maux du squelette qui font qu'à un moment donné, toute la machinerie corporelle est verrouillée. Et ceci à 40 ans. L'idée, c'est de protéger nos jeunes et donc de leur proposer des schémas où ils peuvent faire des applications pratiques répétitives sur des schémas agricoles. Donc tout ça, ça se porte plutôt bien. On a des classes de 4e, puisqu'on dépend non pas du code de l'éducation nationale, on dépend du code rural, étonnamment. Les lycées agricoles dépendent du code rural. Et on peut accueillir dès la 4e, et on a 4 classes de 4e, où on a énormément de demandes d'inscription, parce que le collège ne satisfait plus, je le dis très honnêtement, et je pense qu'on partage beaucoup l'analyse avec les spécialistes de l'éducation, ne permet plus à un certain nombre de jeunes de trouver leur voie. Notamment dès la 5e. Et là, au cœur de la Forte Brignoles et en plein milieu des vacances scolaires, c'est le bon endroit pour faire du recrutement justement et présenter les filières que vous proposez. Oui, oui. Et je pense qu'en 4e, il y a vraiment des voies pour un certain nombre de jeunes qui veulent vraiment aller vers ces métiers-là. Et c'est vrai qu'en fin de 3e, on a tous les bataillons des secondes professionnelles, soit végétales, soit animales. Donc on forme des éleveurs, on forme des viticulteurs, on forme des maraîchers. On forme aussi des jeunes en service en milieu rural parce que, vous savez, les territoires ruraux évoluent vite et on a le sentiment qu'il y a une rupture entre les villes et les campagnes, notamment au travers des services qu'on peut proposer. Et je pense que demain, quelqu'un qui habite en campagne, il inspire aussi à aller au cinéma, à vivre avec un certain nombre de personnes sur le champ social, l'hôpital et bien d'autres services qui sont aujourd'hui un peu malmenés dans ces milieux-là. Et nous formons des jeunes sur des bacs pro, notamment service à la personne et en espace rural, pour leur permettre voilà, de répondre aux défis demain du service. Très bien. Mais merci, messieurs, de ces présentations. Merci, Marc Richard, donc association de la Prune Brignoles. On vous retrouve tout au long de la semaine sur la foire avec le lycée agricole, Christian Breyer aussi, du lycée agricole de la Provence verte. Nous, on va tourner une rapide page de pub et on se retrouve dans quelques secondes aux côtés de Sarah pour une nouvelle parenthèse gourmande. Merci encore, messieurs. Merci à vous. Et bonne foire à vous.